Elisabeth sur sa porte fleurie, file écoutant des yeux les pas lointains du soir. Voici par le sentier sa cousine Marie, celle de Nazareth qui monte pour la voir. Voici venir Marie avec sa grande nouvelle, ce qui l'autre semaine en elle est arrivé. Elisabeth la voit et court devant elle, laissant rouler au vent son fil inachevé. Dieu sait ce qu'elles ont, toutes les deux ensemble, de pressant à se dire, et pourtant l'entretien leur manque tout à coup. La joie en elles tremble, leurs mots se sont perdus, elles ne disent rien. Chacune va cherchant en elle une assurance, avant de confier à l'autre sans délai tout haut cette espérance, au-dessus l'espérance. Est-ce bien vrai, mon Dieu, si ce n'était pas vrai? Mais soudain, le miracle a bougé dans leur âme, dans leur corps. Le silence autour a chancelé. Elle, la jeune fille, elle, la vieille femme, tressaillent leurs petits, entre eux se sont parlé. C'est impossible, oh Dieu, c'est une rêverie. Impossible et pourtant, plus vrai que tout, plus vrai que le soleil qu'on voit. Et le cœur de Marie en a chanté comme un buisson au mois de mai. Elle part, elle monte, elle a pris sa volée. Elle montait sans route, arrive au pied de Dieu. Elle le chante à jamais, hors de terre en allée. Elle le chante perdu, au plus haut du ciel bleu. Et ne sachant plus rien, réalité, chimère, mensonge, vérité, raison ou déraison, sauf que son Dieu peut tout et qu'elle sera mère. Mais voici Zacharie au seuil de la maison.